أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وأحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد إل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق كلام الله Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Speedline TV, nous vous présentons les salutations de l'Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec l'aide d'Allah, avec sa permission, aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème. Ça veut dire que la confiance en l'éternel tout, Dieu Tout-Puissant. Donc, comme vous le savez, souvent, l'humanité bascule dès lors qu'on perd cette confiance-là en l'éternité. C'est-à-dire euh, qu'on perd cette confiance-là au Créateur des cieux de la Terre, au Créateur des hommes, au Créateur des animaux, au Créateur de l'univers tout entier. Et quand on perd cette confiance, tout bascule. Donc, il faudrait que euh, l'homme... La créature humaine et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en notre Dieu unique, tout puissant. Cette confiance, c'est même le processus hein, de ce qui émane de l'exploitation de la foi, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'iman. Comment essayer d'être un, une créature qui a confiance réellement à son, à son Créateur Et ça, comme vous le savez, c'est ça qu'on appelle le « itawakul », c'est-à-dire la confiance en Allah Donc le, le croyant, et dans l'ensemble, l'homme, doit avoir confiance en son créateur. Et tous les facteurs qui amènent à la dérive ou bien à, au décroissement de la foi sont cette perte de conscience-là. Plus la conscience en Allah subhanahu wa est grande plus la foi est ferme. Donc la confiance en Allah Subhanahu wa Taala doit être quelque chose que le croyant doit vraiment avoir cette culture là en lui à tout moment, à tout instant, dans tout lieu et partout. Comme vous le savez, Allah Subhanahu wa Taala nous a créés, et nous a créés et cette création qui nous a fait nous a fait honneur en nous créant parce qu'il y a quatre choses que le Créateur Dieu Tout-Puissant a créé avec sa main. Hein, c'est quatre choses. La première des choses, c'est son trône qu'il a créé avec sa main. Hein, son trône. Et la deuxième des choses, c'est la plume. Hein, quand vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un hadith de notre prophète sallam qui dit euh, Tout est écrit. Euh, L'encre s'est desséchée et la plume s'est levée. Donc tout a été tracé. Il n'y aura rien qu'on puisse ajouter. Donc, des le fait que vous allez savoir que Allah Subhanahu a tout prévu. Donc la confiance en Allah Subhanahu doit refléter un peu ce, cette dimension-là hein, de savoir que avant même que toute chose se passe, Allah déjà a prévu ces choses-là. C'est pas basculer dans une fatalité sans euh, raison mais c'est pour aller plus hein, dans cette dimension là du croyant hein, qui croit que c'est la vérité qui triomphe toujours donc Allah subhanallah qui écrit qui a écrit toutes choses et qui a déterminé un plan à toutes choses n'a pas fait d'erreur dans son plan donc cette confiance là qu'on doit avoir Allah subhanallah elle est indispensable et c'est ça qui est même le moteur de celui qui veut vivre Hein, dans une certaine harmonie avec la nature, dans une certaine harmonie avec son intérieur, dans une certaine harmonie avec ses, 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 ses semblables. Donc, comme tout à l'heure nous avons dit, il y a quatre choses qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a créées avec sa main. Il y a premièrement son trône, que personne ne peut connaître la dimension et la grandeur. Et il y a aussi la plume qu'on a dit. Il y a la troisième chose, c'est Adam, ouais, notre ancêtre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé avec sa main. Et la quatrième chose, c'est le jardin d'Eden, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé avec sa main. Donc ces quatre choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a créées. Et vous avez vu que de parmi ces quatre choses, il y a indiscutablement notre ancêtre Adam, alayhi salam, qui est, le père de l'humanité. qu'en il déplaise à certains qui sont partis dans des théories erronées pour dire que ah, l'humanité descend des singes et autres non. Le père de l'humanité a été créé par la main d'Allah, Adam alayhi salam et il a été créé intelligent, de telle que aujourd'hui, si on ramène Adam alayhi salam en vie, il est capable de nous expliquer tous les mécanismes de l'évolution de la technologie que vous voyez. Donc c'est quelqu'un de très intelligent, d'où c'est même le premier prophète. Donc, en fonction de ça, les uns ou les autres vont se demander, mais et les autres créatures Les autres créatures, Allah ne les a pas façonnées avec sa main, il a, les a façonnées avec la puissance de Kum que la chose soit et elle est. Donc, c'est cette puissance-là qui les a fait. Mais l'autre, Allah a fait ça avec sa main. Ça veut dire que nous, au niveau des humains, comme nous sommes cités là, il faut savoir que l'amour qu'Allah a vers nous, et cet amour-là qu'il qu nous a donné, et c'est pour cela. Lorsqu'il avait eu à, à mettre en place notre ancêtre commun et lui a donné le souffle de vie, il a demandé aux autres créatures de se prosterner devant Adam alayhi salam parce qu'il lui a donné ce qu'on appelle, euh, qu appelle le fourkan, le discernement, le jugement, le fait de dissocier le mal hein, du bien et d'être celui qui légifère cette loi-là en, en, en ordonne Or, le bien et interdit le mal donc en cela que dès lors que nous revenons à notre origine à notre création nous ne devons pas perdre la confiance en Allah la confiance à l'éternel tout puissant elle est quelque chose qui va nous permettre d'évoluer dans cette vie avec une certaine assurance une certaine, une certaine aisance de savoir que nous sommes des créatures aimées d'Allah et que n'importe quelle situation qui vient, dans n'importe quel état que nous sommes, dans n'importe quelle situation ou chose, difficulté ou autre, nous devons retourner vers Allah, avoir confiance en lui et savoir que le triomphe serait réellement la victoire. Mais aujourd'hui, beaucoup ignorent cela. Euh, dès lors qu'il y a des difficultés ou autres, on perd cette confiance et on se déboussole. Il enfin, n'y a plus d'orientation, il n'y a plus rien. Et on perd toute une confiance, et que déjà, quand vous perdez la confiance en votre créateur, où est-ce que vous allez retrouver l'assurance? Un être humain ne peut pas vous donner l'assurance, non? Et que c'est au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a l'assurance. Il faut dissocier avec les autres qui sont dans des théories autres qui pensent que euh, l'homme. En établissant cette confiance qui pense que l'homme, il a le pouvoir de, de, de dire la chose, non, il faut dissocier cela parce que déjà, quand on rentre dans une autre dimension, tu risques d'avoir la dérive. C'est pourquoi quand on parle de la confiance en Allah, nous sommes revenus à l'origine et à la traçabilité de la plume qui est un exemple que Dieu que Allah déjà a tout tracé. Ce qui va arriver à toutes les créatures, il les a tracées. Il les a tracés. On dit, la plume, euh, la, euh, la plume s'est levée et l'écriture s'est séchée. Ça dit, le livre est là, c'est compilé. Ça dit, tout a été écrit. Donc, cette confiance en la Ta'ala, dans chaque ta situation, ça te redonne hein, la force et le courage. Hein, ce courage-là de continuer le chemin, le chemin qui est déterminé à tout un chacun de nous, selon une durée que seul. Le créateur Tout-Puissant connaît qu parce que personne ne peut déterminer sa durée sur terre. Personne. Donc la confiance en Allah, souvent Allah, c'est quelque chose de très, 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 très important que nous ne devons pas euh, blaguer et que nous devons pas se chercher à dire, bon, euh, je perds confiance. Non. Le croyant est celui qui garde sa confiance en l'Éternel Tout-Puissant, Allah unique. À travers cette confiance, tu réaliseras des choses que toi même à un moment donné tu diras oh alhamdulillah, j'ai failli perdre confiance mais Allah m'a secouru parce que c'est cette confiance qui ramène la proximité même d'Allah subhanahu wa Allah est fier de ses créatures, de ses serviteurs qui ont confiance en lui. Allah subhanahu est fier euh, lorsque il est dans un hadith dans un hadith on on demandait à Malaika Djibril, qu'est-ce qui le fait sourire Malaika Djibril dit, il sourit quand il voit les créatures, les serviteurs d'Allah, c'est-à-dire les hommes, hein, courir vers ce qui les a pas prédestinés. C'est-à-dire ce que tu ne fais pas partie de ce qu'on t'a donné. C'est-à-dire que tu ne vas pas acquérir ça et tu cours vers ça. C'est ça, ça qui fait rire. Euh, euh, Jibril alayhi salam, c'est-à-dire le prophète des anges, l'ange Gabriel. C'est une manière de nous dire que tout à l'heure quand nous avons parlé que euh, Allah a créé quatre choses hein, son, sa, son trône, son trône, et deuxièmement, euh, deuxièmement la plume avec qui il a tout écrit. Hein, et tout à l'heure nous avons dit les hadiths qui est référent à cela. On dit et sur hadith. C'est un hadith euh, que beaucoup, il <laughs> dit, euh, euh, y protège, Allah, c'est lui qui est le vrai protecteur, au fait, en réalité. Et ce hadith, quand euh, les gens vont aller dans la quintessence de ce hadith, ils vont voir que ça compile en grand ce qu'on appelle le, la, le, la, la foi même en Allah, subhanahu wa ta'ala, la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. On dit euh, dans ce hadith la, la plume euh, s'est levée, on a levé la plume, l'écriture s'est séchée. Donc tout a été planifié par Allah Subhanahu Si tout a été planifié par le Créateur tout-puissant, alors qu'est-ce que tu dois, qu qui doit -tu nous faire euh, perdre espoir Rien. Nous devons retourner vers l'espoir qui est Allah Subhanahu et avoir confiance en lui. Donc nous avons parlé du trône d'Allah qu'il a créé de sa main, de la plume. Et alayhi alayhi salam, et du château dem. Donc, ces quatre choses, vous allez voir que c'est déjà, euh, déjà euh, le trône d'Allah, on le dit dans l'Ayat Kursi, « Allahu la ilaha hay wa illa la alahu 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 la alahu 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 la alahu 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 bi izni, c'est dans la Sourate Bakara, Sourate numéro 2, qui retrace un peu la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quand on dit Ayat au Kursiou, tout à l'heure nous avons parlé du trône, mais Ayat quand on dit Kursiou, dit, c'est-à-dire c'est l'épouse-pied du trône. C'est-à-dire lépouse pieds du trône. Quand vous allez voir souvent les souverains, les grands souverains, ils ne, peuvent, ils ne, ils ne mettent pas leurs pieds par terre, ils mettent ça sous quelque chose. C'est-à-dire c'est ce pose-pied-là. On ne parle même pas du trône d'Allah subhanahu Et nous savons combien des anges tiennent le trône d'Allah subhanahu wa Je crois qu'ils sont au nombre de 19 qui le tiennent pour lui. Donc, vous allez voir que le pose-trône d'Allah subhanahu on dit dans Ayatouille, ces diversé là ça explique les dimensions même de la grandeur d'Allah subhanahu pour quiconque veut s'amuser à blaguer avec Allah ou bien quiconque veut s'amuser à perdre la confiance d'Allah. Tu ne peux pas que revenir vers Allah Subhanahu wa Taala qui ne somnole jamais. Vous voyez que n'importe quel souverain, quel roi, n'importe quel homme puissant, allez voir, il va somnoler. Allah ne somnole jamais. Ni sommeil ne le prend. Hein? Et par son kum, il décide il dire la chose soit elle est. Donc nous devons revenir vers cette confiance là en Allah Subhanahu wa Taala. Mais c'est pourquoi dans la quintessence de la religion de l'islam on veut que Allah euh, veut que. Hein, il dit. C'est-à-dire, hum, connaissez-moi d'abord avant de m'adorer. C'est-à-dire, il sait Allah. Il sait que réellement, nous devons le connaître. Hein, nous devons le connaître. Est-ce que c'est en le connaissant hein, que l'adoration, nous allons jouer de l'adoration Parce que c'est là où il y a le problème. Beaucoup sont. Ils se disent monothéistes. Ils se disent qu'ils adorent Allah, mais en réalité, ils ne connaissent pas Allah. S'ils connaissaient Allah, la confiance serait encore plus établie. Hein? Donc, c'est pour cela que, dans ce hadith, on nous demande de connaître Allah avant de l'adorer. Et c'est pour cela que, plus loin encore, on dit, eh, ça dit euh, la connaissance avant l'action. Ça dit, il faut connaître d'abord Allah hein, avant de, de dire qu'on va agir. Donc, c'est bien c'est pour cela que la méditation qui est privilégiée, même dans la lecture du Coran, la méditation qui est l'arme privilégiée, hein, parce que quand tu lis le Coran et que tu ne médites pas, ça ne sert à rien. Allah, souvent, il dit c'est ma parole, lisez le Coran, et dès lors que vous lisez le Coran, vous allez méditer réellement pour savoir qu'en réalité, cet univers ne s'est pas, pas créé de lui-même. Non, c'est quelqu'un qui l'a créé. Et cette création. Mais pourquoi encore on m'a placé, placé dans cet univers On m'a placé dans cet univers, pour que j'adore celui qui a créé cet univers. Et quand je veux adorer celui qui a créé cet univers et que je veux réellement jouer mon rôle, mon rôle, mon rôle fondamental de mon existence, ce n'est que sa connaissance. Et que dans sa connaissance, plus je le connais, plus je placerai sa, ma confiance en lui. Donc c'est cela qu'on nous invite les uns et les autres pour que nous puissions être des créatures hein, qui réellement redonnent, ont la valeur et ont, le, ont le, la valeur et le mérite hein, des descendants d'Adam salam. c'est-à-dire ceux qui proviennent hein, de cette créature qu'il a façonnée hein, de sa mère, qui est Adam alayhi salam, auquel il a donné hein, le rôle. De califat, de gouverneur, c'est-à-dire de l'univers tout entier, de gouverneur de celui qui légifère sa loi et de que nous sommes les descendants. Donc, la connaissance d'Allah est primordiale. La connaissance d'Allah. Donc, nous devons chercher à connaître Allah. Hein, à connaître Allah. Et de cette connaissance-là, ça doit s'établir certaines choses qu'on doit manifestement comprendre, les signes. Hein, de l'existence d'Allah, les signes, pas des signes dans, dans de quelqu'un qui doute, mais des signes dans la certitude. Hein, regarde autour de, regardons autour de nous, hein, regardons les cieux, comment Allah nous a établis Regardons la terre, comment Allah nous a établi cela comme lit. Regardons le ciel, comment Allah a maintenu cela comme toit pour nous. Il suffit d'un simple euh, nuage qui peut tomber, qui cause des tonnes, tonnes, des milliers de tonnes. Pour nous éclabousser, mais Allah subhanahu ta'ala les a suspendus par sa grandeur. Comment tu vas perdre confiance en Allah subhanahu ta'ala Donc la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie indiscutable de celui qui veut vivre dans l'harmonie, dans la nature, dans l'harmonie avec son Créateur lui-même. Parce que c'est à travers ça qu'Allah subhanahu wa euh, jauge notre faculté d'être des hommes dignes, hein, d'avoir de, 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 quand même euh, la foi. Qu'Allah subhanahu ta'ala. Nous, nous assiste et qui nous facilite cette confiance-là dans tout ce que nous allons entreprendre pour que, au final, nous soyons de ceux-là. Devant notre Créateur, nous allons dire « Allah, tu nous as créé tu nous as donné tout ce qu'il faut. On est incapable hein, de te rendre euh, par quelque chose. On n'a pas cette force, on n'a que profiter de toi. Mais la seule chose qu'on a, on avait confiance en toi, Allah Car Allah. Allah, Allah nous compte parmi ceux qui auront confiance en lui du début jusqu'à la fin de notre existence. Amen. Donc, à travers cette confiance en Allah, vous allez voir que tout ce que nous allons entreprendre, que ce soit du début jusqu'à la fin, ça doit être, nous devons être déjà des gens qui n'oublient pas Allah dans, notre, dans tout ce que nous allons entreprendre, que ce soit du début jusqu'à la fin. C'est pour cela que... La simple chose pour les musulmans, avant de commencer quelque chose, on dit au nom d'Allah, bismillah. Ça dit, je commence au nom d'Allah, manger bismillah, hein, euh, faire toute action bismillah, toute œuvre, l'ouvrier, le fonctionnaire, tout ce que tu vas faire, tu dois dire bismillah avant de le faire. Hein, S'asseoir, tu dois dire bismillah. Enfin, toute chose en, en quelque chose, c'est que tu places ta confiance en Allah parce que tu sais qu'Allah est là, présent à tout moment pour nous offrir réellement le meilleur. Donc la confiance en Allah souvent Allah doit être quelque chose que nous ne devons pas euh, euh, prendre comme à la légère, mais doit être quelque chose que nous devons garder solidement hein, dans notre existence. Et cela refère même dans l'éducation que nous devons donner à nos enfants, dans l'éducation que nous devons donner à nos enfants. Parce que vous allez voir que certains parents oublient cela dans l'éducation. Hein, parce que le droit de l'enfant, le prendre soin, soin de lui, de le nourrir, de le. Oui, mais ce qui est indispensable, c'est de faire connaître qui est ton Créateur et que tu dois avoir confiance en Allah. C'est en ce sens que vous allez voir que Allah qui a privilégié même le traitement des orphelins, hein, qui a privilégié le traitement des orphelins, pourquoi Parce que c'est une manière, tout parent qui essaye dans l'éducation, Hein, de son enfant inoculé à l'enfant. Ce, 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 cela que dire qu'il faut avoir confiance en l'Éternel Tout-Puissant, ce n'est pas pour rien. C'est au cas où, si Allah enlève les parents par la mort et que cet enfant déjà a confiance en Allah, il aura toujours confiance. Il ne va pas perdre parce que son père est parti. Mais son Créateur est là. Et c'est dans cela que vous allez voir que... Dans l'écriture, dans le Coran, on dit prenez soin de l'orphelin. Mais souvent, quand on dit prenez soin de l'orphelin, aussi ceux-là qui prennent en compte les orphelins oublient ce qui est fondamental, et indispensable, le fait de donner la confiance en Allah subhanahu wa l'éducation de la confiance en Allah subhanahu wa avec ses enfants. Mais on les donne seulement les biens d'ici-bas et autres, et on fait, on rate encore l'éducation. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala les parents, il vous a mis à la place, c'est pour que vous leur donnez cette confiance-là. Et ce n'est pas seulement au niveau des orphelins, il faut que ça soit dans la famille, dans les enfants, au niveau des enfants, que cela soit quelque chose qui doit évoluer à tout moment pour que euh, l'harmonie soit retrouvée dans tout ce que nous allons entreprendre et qu'au final, mais quand on parle de confiance, la confiance est déjà cet effort hein, de, de connaître Allah. Et c'est fort de dire, je commence par Allah, je mets Allah au devant de tout ce que je vais entreprendre, mais pas la paresse. Non, pas la paresse. Vous allez voir que euh, dans, un, dans un hadith où Allah, euh, notre prophète Maman nous parlait hein, euh, de cette confiance-là, qui dit, les oiseaux, ils nous donnent les oiseaux. Les oiseaux qui ne cultivent, qui ne font rien, mais ils se lèvent le matin. En quittant leur nid pour la quête de la nourriture et c'est parce qu'ils ont confiance qu'Allah Subhanahu wa Taala va leur donner de quoi manger et ils reviennent toujours rassasiés. Voyez le fait de quitter et d'avoir cette confiance et malheureusement d'autres dans leur mécanisme de décourager cette confiance parce qu'il y a cette confiance que tu dois établir en tant que croyant mais il y a les autres aussi qui cassent cette confiance là pour te mettre dans un certain esclavage aux humains. Parce que si tu laisses cette confiance en Allah subhanahu tu vas avoir confiance aux hommes qui vont te trahir, tu vas avoir confiance à un devant qui va te trahir, tu vas avoir mais que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne trahit jamais. Donc c'est cette confiance qu'on veut. Combien de couples, combien de fous parce qu'ils ne placent pas la confiance en Allah subhanahu le foyer est fragile. Donc il faudrait que la confiance, la culture de la confiance en Allah, en Dieu tout-puissant, doit être notre notre facteur premier pour pouvoir dire que nous évoluons dans la société en tant que serviteurs d'Allah, en tant que croyants. Parce qu'il y a d'autres qui veulent saboter le moral des croyants. Il y a toute une science qu'ils ont appris par rapport à ça. Mais chaque fois dans le Coran, on dit leurs œuvres seront euh, leur, une œuvre, leurs œuvres seront vaines. Ils n'auront pas d'issue. Et vous allez voir, c'est toujours comme ça. Ils n'auront pas d'issue. Si Pharaon n'a pas eu d'issue, car euh, n'a pas eu du su. Euh, D'autres aussi qui ont été des références n'ont pas eu du su. Ce n'est pas aujourd'hui des autres qui vont avoir du su. Donc la confiance à Allah subhanahu elle est fondamentale. Elle est indispensable pour le croyant qui veut vraiment évoluer hein, dans cette vie avec une, certaine, avec une certaine aisance, avec une certaine chose pour pouvoir dire Alhamdulillah, j'ai quand même vécu dans cette vie, dans cette existence et je repars avec cette confiance. Et on dit, euh, l'essentiel, c'est le, le, le début, c'est bon, mais la fin est la meilleure des choses. Cette confiance aussi en Allah Subhanahu wa Ta'ala doit être aussi à la fin, et c'est à la fin même que c'est encore plus vivace. C'est-à-dire le temps où la créature sent qu'il va quitter ce monde, c'est en ce temps qu'il développe encore plus de confiance en Allah Subhanahu wa Ta'ala, en face hein, de, de, de grandes épreuves qui est la mort, en face devant l'agonie et autres. Il doit développer cette confiance en Allah, ce que les autres n'auront pas. Ce que les autres n'auront pas, parce que les autres, ils ont passé tout leur temps à dénigrer Allah, à dénigrer le Dieu Tout-Puissant, à ne pas croire en lui. Et qu'à la dernière minute, s'ils veulent développer cette confiance, c'est même là le grand châtiment. C'est difficile pour eux à moins que ceux à qui Allah fait miséricorde et qui leur permet quand même d'avoir cette chance-là de pouvoir développer cette confiance-là et que Allah miséricorde Allah eux et peuvent développer cette confiance et revenir parce que Allah wa ta'ala n'attend que la repentance, la repentance hein, que ce soit n'importe quel mécréant de ce monde et Allah wa ta'ala fait partie euh, n'attend que leur repentance parce que ça fait partie des doléances de notre ancêtre Adam que Allah wa a créé avant qu'il ne quitte, qu'il ne laisse Allah que Satan euh, l'a déjà, il dit, Allah, je veux que tous mes, tous mes descendants, quel que soit l'horreur qu'ils vont faire, s'ils font, ils demandent pardon, que tu leur pardonnes. Et c'est en ce temps qu'Allah dit j'accepte, qu'il a dit, qu dit Alhamdulillah, je n'ai plus de doléance. Donc le fait de revenir vers Allah en développant cette confiance-là, Allah subhanahu en disant même dans le péché, Allah subhanahu est celui qui pardonne, Allah subhanahu va nous pardonner. Qu'Allah subhanahu nous pardonne et qu'il nous guide, qu'il fasse que cette confiance-là que nous la développons du début et plus à la fin de notre existence pour que les uns et les autres en profitent et que nous soyons de ceux-là qui vont dire, Alhamdulillah, la grâce d'Allah est sur nous et que nous avons cette lumière d'Allah, nous avons à travers la lumière d'Allah qui, qui, qui est avec nous, nous avons encore le reflet par le bon comportement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tout un chacun de nous. Euh, tous ceux-là qui sont dans des épreuves, qu'Allah ta'ala les à l'aise de l'épreuve, tous ceux-là qui cherchent des chemins de chemin. De, de chemin pour pouvoir revenir vers Allah qu'Allah souhanahu les facilite cela ceux, ceux là qui sont dans des difficultés qu'Allah souhanahu les facilite les difficultés les arrange peut pas quelque chose de meilleur tous ceux là qui sont malades y Allah souhanahu wa ta'ala la santé Allahumma salli ala Muhammad <-haut> wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama Allah ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka al-mujid assalamou alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou